Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous vous portez bien. Me voici pour un nouveau partage en cette veille de nouvelle lune. Donc aujourd'hui on est mercredi, la nouvelle lune c'est demain, le 17 septembre. Elle sera en France à partir de 13h, d'accord? Donc à partir de 13h, vous pouvez commencer à faire le rituel de la nouvelle lune. Donc je vous répète ce que c'est, hein, le rituel de la nouvelle lune, c'est faire ses vœux à la lune. Donc entre 2 vœux et 10 vœux maximum, vous mettez à la pleine lune, chère, pas à la pleine lune, à la nouvelle lune, chère nouvelle lune, je souhaite, je désire, et vous mettez votre vœu. D'accord? Faut toujours que ça soit positif. Quoi vous dire d'autre? Oui, le chèque de l'abondance, n'oubliez pas de faire votre chèque de l'abondance. Donc ça, j'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos. C'est tout simple, enfin, faire un chèque de l'abondance comme si c'était l'univers, hein, c'est l'ordre, enfin c'est pas l'ordre, enfin tout est expliqué, j'ai déjà expliqué sur d'autres vidéos. Vous pouvez imprimer sur internet des chèques de l'abondance, vous remplissez et tout est expliqué, hein, vous allez voir sur internet, vous allez trouver. C'est tout simple, c'est vraiment tout simple, mais ça fonctionne, je peux vous assurer que ça fonctionne, donc faites-le. Voilà, donc on va commencer par purifier les énergies avec mon bol tibétain. Donc installez-vous, c'est votre petit moment à vous et à nous. Mettez-vous confortablement avec un coussin, un oreiller, une boisson fraîche, une boisson chaude, ce que vous voulez. C'est vrai qu'aujourd'hui il fait très chaud, hein, c'est reparti pour des grandes chaleurs. Donc m'en veuillez pas si jamais vous entendez la clim. Je suis obligée de la mettre, je peux pas, hein, c'est pas possible, sinon j'aurais pas tenu pendant la vidéo. Mais je sais que ça fait un petit bruit de fond, mais vous m'entendez bien normalement, hein, parce qu'avec le micro, vous m'entendez bien. Bon, donc on va commencer par purifier les énergies. Installez-vous, c'est parti. Voilà, donc cette nouvelle lune est dans le signe de la Vierge, hein, donc le 17 septembre. Ça tombe bien, c'est mon ascendant lune, enfin mon ascendant lunaire, oui, le signe de la Vierge. Voilà, donc ça va apporter des belles énergies, hein, je vous dis, profitez-en parce que je sens que cette nouvelle lune est puissante et forte. Il y aura du changement, ça bouge, d'accord? Je vais prendre l'oracle angélique pour voir quel est l'ange qui est parmi nous pour cette guidance. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Il y a une carte qui est tombée. L'ange de la connaissance, apprentissage, croissance, savoir. L'ange de la connaissance vous dit que vous allez prendre connaissance de quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose. Vous allez savoir
Il y a vraiment une notion d'apprendre ou de connaître ou de savoir. Peut-être une vérité, peut-être une révélation, d'accord? Peut-être que cette nouvelle lune de ce 17 septembre 2020 va éveiller en vous l'envie d'apprendre, de connaître, va vous amener dans votre conscience une, comment dire, des connaissances, d'accord? En tous les cas, c'est vraiment une notion d'apprentissage, d'accord? D'apprentissage, de connaissance. Donc, vous allez rentrer, à mon avis, dans une période, alors je ne sais pas où je vais le mettre, dans une période propice, en tous les cas, à l'apprentissage. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Alors, attendez. Voilà, si je le mets là, est-ce que vous le voyez? Sur la vidéo, je pense. Alors, voilà. Je vais prendre. Je sais pas. On me dit en message, là, en médiumnité, en canalisation, que vous allez prendre connaissance de quelque chose qui va vous faire grandir, qui va vous faire évoluer, qui va vous amener vers le bon chemin. Il y a un savoir. Vous allez vraiment être amené, vous allez être guidé à connaître des choses que vous ne savez pas, que vous ignorez. Des révélations, vous voyez, vous allez avoir des révélations. Alors, je vais prendre l'oracle des rebelles sacrés. J'ai le code du voisin qui chante, tout va bien à cette heure-là. Je ne sais pas quelle heure il est, mais je crois qu'il n'est pas loin de 17h, quelque chose comme ça, 17h30. Tout va bien. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière... Et chante à tue-tête, hein, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, les guides, mes guides, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Allez, s'il vous plaît, les anges, merci de me passer un message pour mes petites étoiles. Alors là, il y a trop de cartes, hein. Mais je vais prendre la première qui est devant moi. Je vous montre le tas, hein. La première, c'est celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Faites de beaux rêves. Alors, je sens, je ressens, je pressens qu'avec cette carte, il y a vraiment une notion de connexion. Il y a vraiment une notion d'énergie avec cette nouvelle lune qui arrive. Vous allez faire des rêves. C'est pour ça qu'on vous dit faites de beaux rêves. Il y a des rêves qui vont se réaliser, d'accord? Des choses que vous n'avez peut-être pas encore connaissance, mais il y a des choses qui sont en train de se transmuter, des énergies, hein, au niveau de la planète, de la Terre Gaïa. Il y a vraiment, pour moi, des énergies qui sont en train de transmuter, d'évoluer. Il y a une notion vraiment d'éveil, d'accord? De lumière terrestre. On vous dit, faites de beaux rêves. Ça veut dire, continuez à rêver, mes petites étoiles. On a besoin de rêves. Il ne faut pas arrêter de rêver. Il faut avoir des rêves. Il faut se donner les moyens de les réaliser. Pour moi, vous allez avoir des opportunités. Vous allez avoir des messages dans vos rêves. Vous allez avoir des rêves prémonitoires. Et il y a un rêve, en tous les cas, ou des rêves que vous avez... comment dire, en vous, un grand rêve qui va se réaliser, d'accord? Moi, je ressens ça. Je ressens ça, que vous allez enfin avoir une révélation, avoir un rêve important de votre cœur, de votre âme, qui va se réaliser là, maintenant, tout de suite, avec les énergies de cette nouvelle lune dans le signe de la Vierge. C'est très, très puissant. Je ressens une énergie très puissante, hein, en ce moment. Alors, je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez voir les cartes. Voilà. Normalement, vous voyez bien. Voilà. Allez. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais commencer par, puisqu'on est avec la lune. Non, je vais faire comme d'habitude. Je vais prendre l'oracle de la lune. Qu'une petite étoile m'a offert, qui est magnifique cet oracle.
Allez. J'adore ces cartes. Vraiment, c'est un très beau cadeau. C'est l'oracle de la lune de Caroline Smith et John Astro. Astro ou Astro, je ne sais pas comment on dit. J'espère que j'écorche pas trop les noms. De toute façon, je mets toutes les références hein, sous mes vidéos, vous le savez. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Il y a cette carte qui veut venir, je ne sais pas pourquoi. Des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Alors, j'ai trois cartes. Est-ce que je les prends toutes les trois? Je les prends toutes les trois. Voilà, qui sont tombées. En fait, j'en ai quatre en tout. J'ai celle-ci qui voulait venir. C'est la carte 9, la cruche. Il y a quelqu'un là qui. C'est la coupe en fait. Hein, mais c'est aussi. Alors, la cruche, moi, c'est où on met de l'eau. Hein, c'est une coupe. Peut-être qu'on vous a pris pour une cruche. Je ne sais pas. Vous avez l'impression d'être cruche. C'est une expression, hein, être prise pour une cruche. Mais je ressens que vous allez avoir dans votre conscience des savoirs. Vous êtes en train de canaliser des choses en ce moment. D'accord? Ça pousse, vous allez avoir des idées dans votre conscience. J'ai le croissant de lune là, croissante en air, et c'est la carte pousse idées. Vous allez avoir des idées dans votre conscience. Vous allez canaliser, on va vous mettre des idées. Vous allez avoir des savoirs, des connaissances qui arrivent, des idées qui vont vous venir dans votre conscience. Alors faites bien attention, quand vous avez une idée ou quelque chose qui vous vient dans votre conscience, ne repoussez pas ça. C'est vraiment prendre conscience et confiance en vous. D'accord? Parce que vous allez avoir des bonnes idées. Hein. Alors, j'ai l'engagement, lune décroissante de dissémination en eau, fruits, engagement. Il y a un engagement, il y a quelque chose qui va porter ses fruits là. Il y a peut-être un contrat de travail. Qui va enfin vous apporter de l'abondance, des fruits de votre travail. Il y a un engagement là, hein, d'accord? Un engagement peut-être amoureux. Il y a peut-être quelqu'un là qui arrive dans votre vie pour avoir un engagement. Quelque chose qui va vous apporter des fruits, c'est-à-dire du bonheur, de l'abondance. Très bonne carte, on a la pleine lune en eau. On est peut-être aussi dans des signes d'eau et des signes d'air, hein, puisqu'on avait la croissante en air là, et on a l'eau là, hein, on a beaucoup d'eau, on a la pleine lune en eau, et c'est les fleurs, l'accomplissement. Vous allez être complètement épanoui, hein, en tous les cas, vous allez enfin avoir beaucoup de communication avec cette personne. Je ressens qu'il y aura vraiment de la fluidité avec votre autre. Quelqu'un que vous connaissez pas, il y a quelqu'un qui arrive avec un engagement, qui va peut-être vous offrir des fleurs. Il va peut-être vous dire que vous êtes sa fleur. Vous allez accomplir beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Je vous dis là, hein, avec cette nouvelle lune là, il y a vraiment des idées, on vous le dit, des choses qui vont s'accomplir. Vous allez vous sentir bien. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Il y a une carte qui est tombée. Alors, croissant de lune, croissante en terre, pousse, investissement. Il y a quelque chose là que vous avez semé, cette idée là qui vient dans votre conscience, dans votre esprit, va pousser. Et on vous demande d'un investissement, c'est de l'investissement. Peut-être qu'il va falloir que vous misiez sur cette idée. Il va falloir investir un peu d'argent, investir du temps. Mais pour moi, c'est quelque chose qui va être fructueux, quelque chose qui va vraiment vous apporter beaucoup.
Moi, je ressens quelqu'un qui arrive aussi avec un engagement, quelqu'un qui va s'investir en amour, vraiment s'investir avec vous. Il y a un amour qui va pousser, il y a quelque chose, il y a une graine là qui pousse. C'est comme si on sème quelque chose. Alors, on sème dans le sens de semer une graine, mais on sème, vous voyez, ça me vient en canalisation, on sème. S'aimer, du verbe aimer aussi, hein. J'espère que vous me suivez parce que là, je canalise beaucoup. Oui, il y a quelque chose qui va pousser, il y a un amour qui va peut-être. C'est en train de germer. C'est une graine, c'est quelque chose, c'est propice, c'est un début, c'est prépice. Prépice, je ne sais pas si ça se dit, propice, oui. Qui va pousser, 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 pousser jusqu'à donner des fruits. Pour moi, il y a quelque chose qui va aller jusqu'à maturation, jusqu'à floraison. Après, on parle de fleurs, de fruits. C'est-à-dire, c'est vraiment la chronologie, la synchronicité de l'univers. Les choses arrivent au bon moment. Il y a quelque chose qui germe, il y a une graine que vous avez, une pensée que vous avez plantée, envoyée une demande à l'univers. L'univers l'a réceptionnée, ils l'ont entendue, c'est en train de germer, ça pousse, ça donne une fleur et ensuite un fruit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très canalisé, hein. C'est vraiment là la pure médiumnité. Hein. Là, c'est juste un support. Il faut savoir que les cartes, pour moi, c'est un support. Ensuite, c'est juste de la canalisation. Hein. C'est un petit peu ce qu'on vous dit là. Vous allez recevoir en canalisation des idées, on va vous guider pour que les choses grandissent comme il faut dans le bon ordre. Avec du temps et de la patience, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'investissement. Excusez-moi, je prends une gorgée de ma tisane. Dans la super tasse que Nathalie m'avait offerte, hein, en Espagne, ma petite étoile. Alors le message, c'est fais de ta vie un rêve et tes rêves une réalité. Voilà, et on vous parlait justement de faire des beaux rêves. Donc c'est vraiment une phrase, là je vous l'ai dit, c'est pas pour rien, d'accord? De faire de faites de ta vie un rêve et tes rêves une réalité. Pour moi, il y a des rêves là qui arrivent et qui vont devenir réels. C'est ça le message du jour avec cette nouvelle lune. D'accord? C'est important, hein, je vous le dis. Alors, je vais prendre. On me dit de prendre mon bébé, mon nouveau bébé, invitation à l'intuition. Donc je vous invite à ouvrir, à développer votre intuition. Et c'est ce qu'on vous demande là, hein, d'accord? De canaliser, hein, de vraiment laisser parler votre conscience et votre esprit, votre âme. Parce que vous allez recevoir beaucoup de choses, hein, beaucoup d'informations et de connaissances avec l'ange de la connaissance. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Il y a une carte qui s'est retournée. Tous les êtres de lumière. Il y a deux cartes, je vais les prendre, qui suivent. C'est marrant, pourtant elles sont mélangées. Tous les êtres de lumière, mes guides, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Me dit de prendre celle-ci là au-dessus. Oula! Et bah dis donc, ça promet. Alors on va regarder les énergies de cette nouvelle lune. Déjà, j'ai la reine des hortensias. J'ai déjà sorti récemment dans mes dernières vidéos. Hein. Grande souplesse d'esprit. Conciliatrice. Pardonnez. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Là, il y a vraiment quelqu'un. On vous demande d'avoir une certaine souplesse, de pardonner, d'être conciliante, conciliatrice. Moi, je ressens que vous allez apprendre des choses ou découvrir des choses que vous ne saviez pas. Peut-être votre autre, vous, pour vous, comment dire, vous protéger ou se protéger.
Mais vous allez découvrir, et je dirais qu'il va falloir être souple, d'accord? On vous demande d'avoir beaucoup de souplesse. Je vais pas dire ma bêtise, mais si, je vais la dire. Beaucoup de souplesse et j'ai la mise sexy, hein. Donc, vous lui faites tourner la tête, hein. Il y a un moment charnel. Il va y avoir besoin de souplesse, oui, parce qu'il va y avoir un câlin, un moment charnel. En tous les cas, il vous trouve sexy. Vous êtes sexy, hein, Miss Sexy, là. Vous allez sortir, vous allez mettre en avant tous vos avantages, hein. Vous allez lui faire le grand jeu, hein. En tous les cas, oui, il va falloir de la souplesse. Mais vous lui faites tourner la tête, vous le rendez fou, hein, cet homme ou cette femme. Il y a vraiment une notion de sexy, vous êtes sexy. Voilà, il y a un jeu sexy entre vous, hein. Il vous admire, il vous trouve belle. Vous attisez son envie, vous lui faites tourner la tête à cet homme, hein, ou à cette femme. Et là, j'ai la carte 92. Donc, c'est la Miss Rose d'Inde. Élevez l'âme vers le sublime. Vos convictions vous isolent. Besoin de prendre des distances. Signe de feu. Bélier, Sagittaire, Lion. Chakra sacré. Le 2, hein, deuxième chakra. Japse rouge et la couleur orange. Donc là, il y a beaucoup de signes, hein, beaucoup de renseignements. On parle de signes de feu. Donc peut-être que, y a un signe de terre et un signe de feu là, hein, qui vont se réunir. Il y a vraiment comment dire, une notion d'élever son âme vers le sublime. Vous voyez cette carte là, hein, avec ses rêves, faites de beaux rêves. Moi, je sens qu'il y a quelque chose de sublime qui arrive. Il y a des belles énergies, hein, je vous assure, là, cette nouvelle lune. En tous les cas, je sens que vous allez avoir besoin de vous isoler, tous les deux. D'accord? Vous êtes quelqu'un peut-être qui avait pris des distances. Il y a peut-être une notion de distance. Mais il y a une relation sacrée, hein. Vraiment, là, il y a une relation sacrée. Il y a une notion d'avoir la tête qui tourne tellement c'est fort entre vous. Vous le rendez complètement fou ou folle. Alors, je vais prendre l'oracle de la lune de Stacey DeMarco. Donc, je mets tout, hein, sous la vidéo. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Cette carte veut venir, hein. Ah bah oui. Discernement. Et bah voyez, ça va totalement avec les autres cartes. Discernement, et c'est la carte 10. Vous allez avoir du discernement. Peut-être que vous n'y voyez pas clair. Vous avez besoin d'avoir plus de renseignements sur une personne, d'y voir plus clair parce que vous avez la tête qui tourne. C'est tellement fort. C'est le chiffre 10, donc c'est divin. Déjà, je peux vous dire que cette relation est divine. D'accord? Peut-être que ça vous perturbe parce que justement, ça vous fait perdre pied, ça vous fait perdre la tête, hein, ça vous rend fou ou folle. Il y a une notion de discernement. Vous allez en avoir. Vous allez avoir des connaissances sur cette personne. Vous ressentez les choses, hein. Vous ressentez les choses avec votre chakra du cœur. Vous êtes en train de. C'est ça, c'est le chakra du cœur qui vous perturbe parce que ça tourne, hein, c'est fort, hein. C'est très, 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 très fort. Vous vous ressentez l'un et l'autre avec le chakra du cœur. Il y a une connexion avec l'univers, en tous les cas. Regardez un petit peu là. L'univers est en train de vraiment vous éveiller. Vous envoyez beaucoup d'informations et peut-être aussi ça qui vous tourne la tête, hein. Vous ne savez plus où trop vous en êtes, mais laissez-vous guider. Acceptez, recevez les messages.
Ténacité. Carte 21, il y a quelqu'un là qui est tenace, quelqu'un peut-être qui a beaucoup de responsabilités sur ses épaules, sur son dos, hein, comme vous pouvez le voir, il porte beaucoup, beaucoup de choses. Mais c'est quelqu'un qui ne lâche pas. Je dirais que l'un ou l'autre, moi je ressens plus votre autre, qui ne lâche pas. Quoi qu'il arrive, cette personne est tenace. Il ne vous lâche pas, il ne vous lâchera pas. Il a envie réellement d'avancer avec vous, même si c'est difficile, même s'il y a beaucoup de choses à porter. C'est quelqu'un qui veut vous aider, qui est tenace. Peut-être que vous l'avez bloqué, repris, ou vous avez essayé de vous écarter de lui ou d'elle, mais il y a une ténacité, il y a vraiment une notion de ne pas lâcher, même si c'est difficile. Même si c'est dur à porter, que vous en avez plein le dos, eh ben vous ne lâchez pas. On vous dit que par rapport à vos rêves aussi, il ne faut pas lâcher. C'est peut-être difficile, mais je ressens que vous êtes dans la dernière ligne droite. Vous avez passé ce qu'il y a de plus difficile en arrière. D'accord? On vous demande d'être tenace. Et la réussite de vos rêves, c'est en étant tenace. Carte qui s'est retournée, c'est l'introspection. Il y a vraiment une notion d'introspection, il y a une notion d'eau, quelqu'un qui plonge dans l'eau, dans les émotions. Il y a beaucoup d'émotions, il y a un effet jumeau-jumelle, reflet dans le miroir avec cette nouvelle lune. Quelqu'un est en pleine introspection, est en plein travail aussi, au niveau de ses émotions. Hein. L'eau, c'est les émotions, la communication. Il y a quelqu'un peut-être qui pense à vous, qui pense énormément à vous, ça lui donne beaucoup d'émotions. Cette personne est peut-être à la mer et peut-être à l'océan, dans l'océan, peut-être qu'il plonge ou elle plonge. Il y a vraiment une notion, cette personne vous ressemble comme deux gouttes d'eau, hein, je vous le dis. Hein. Vous êtes face à votre jumeau ou votre jumelle, vraiment. Beaucoup, beaucoup de points en commun. Il y a un lien, il y a quelque chose entre vous de divin. L'univers vous montre les signes, hein, vous le montre. Ce miroir, c'est vous montrer la réalité. Vous allez avoir la connaissance, on va vous faire comprendre les choses. Avec des signes. C'est la carte 17, c'est l'étoile aussi, la 17 dans le tarot de Marseille. Il y a vraiment une notion de réussite, hein, de succès. Moi, j'ai une notion de quelqu'un qui. C'est marrant parce que j'avais pas fait attention. Hein. Je croyais qu'il y avait trois personnes, mais en fait, c'est bien votre reflet dans le miroir. Il y a bien là, cette femme de dos, et là, vous êtes en face. C'est-à-dire que. Comment vous dire? Vous avez des émotions tous les deux, d'accord? Vous avez un lien, quoi qu'il arrive, que vous soyez sur terre, dans l'eau, dans le ciel, n'importe où, il y a un lien, il y a une notion de ne pas lâcher ce lien, de tendre la main à l'autre et d'être là pour l'autre, quoi qu'il arrive. C'est magnifique, hein. Je ressens vraiment un effet jumelle, jumeau, hein. Regardez, comme deux gouttes d'eau. Hein. Il y a vraiment une notion de communication. Hein. Il y a une notion aussi de descendre au fond de soi pour aller chercher la vérité, pour aller chercher les émotions, aller chercher ses sentiments. Vous ressentez hein, de toute façon hein, intérieurement ce qui se passe avec votre autre. Une carte qui s'est retournée et c'est l'équilibre. Moi, je ressens que cette personne, c'est votre équilibre, vraiment. Alors c'est marrant parce que on a la même personne qui est là dans les nuages, la tête qui est.
Cette femme ou cet homme est dans les nuages. Hein. Vous avez la tête dans les nuages, vous êtes sur votre nuage, vous êtes, je pense, amoureux ou amoureuse. Et il y a une notion de pas sortir hein, de ce nuage. Parfois, on est sur notre nuage et puis on se dit, bah, quand est-ce que je vais tomber de ce nuage? Parce que ça, c'est tellement beau, c'est tellement de bonheur que ça fait peur et que du coup, bah, vous vous dites, à un moment donné, ça va s'arrêter. Mais non, là, on vous dit que, regardez, cette femme, elle est jeune. Et regardez, cette femme, elle est plus âgée. Hein. Donc, vous serez toujours dans ce nuage, dans ce bonheur. Il y a toujours la même carte, hein, la lune, ressentir les choses. Vous allez évoluer, grandir, avoir de la connaissance, vous allez progresser. Et regardez, là, vous aviez les planètes, d'accord, qui étaient autour de vous. Mais là, vous allez être encore plus connecté, hein, d'accord? En vieillissant, on vous dit. Regardez, cette boule d'énergie a grandi, d'accord? Vous allez vieillir, vous allez évoluer, vous allez être de plus en plus connecté. C'est la carte 19 et c'est l'équilibre. Pour moi, vous allez trouver votre équilibre avec cette connexion. En tous les cas, vous allez toujours avoir la tête dans votre nuage. Vous êtes toujours connecté. Il y a une notion de progresser, hein. De vieillir, de lâcher prise avec ces feuilles que la femme âgée a autour d'elle. Avec le temps, vous allez lâcher prise et vous allez vraiment vous faire confiance. Alors, ah ben attendez, parce que j'étais en train de ranger les cartes et j'ai le masculin en dos de deck, la carte 42. Regardez, le masculin là. Il tient deux bâtons, deux flèches qui se connectent. Il y a deux, vous voyez, cette connexion entre les deux, un savoir, quelqu'un qui est athlétique, hein, quelqu'un qui a la force, qui vous tient. Regardez. Vous le sentez. Il y a un lien très fort. Très, très, très fort. C'est comme si, regardez, ces planètes, là, c'est la Lune, hein, ces cycles. C'est quelqu'un qui maîtrise, hein, qui vous maîtrise, qui vous donne l'équilibre. Il y a un masculin, là, qui est comme un dieu, en fait. C'est quelqu'un, c'est un dieu vivant, cet homme. Il est beau comme un dieu en tous les cas. Et puis là, vous avez un couple. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Pour moi, il y a une connexion qui se fait entre deux êtres, deux âmes. Il va y avoir un engagement. Hein. Et c'est quelque chose de divin, un amour divin. Moi, je vous le dis, c'est divin. C'est pas autre chose que divin. C'est l'univers qui vous envoie cet homme. Alors, je vais prendre la lunologie. Donc c'est Yasmine Bolland, hein, l'oracle, si vous voulez savoir. Tac, tac. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Oula, il y a trop de cartes qui tombent. Donc, je demande une carte ou deux, pas plus, s'il vous plaît, les anges. Merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Elles veulent venir, ces deux-là. Ah, bah voilà. Alors, c'est le scorpion. Pleine lune en scorpion et pleine lune en bélier. Il est temps d'abandonner la négativité. Il est temps de laisser tomber, de lâcher le négatif. D'accord? Il y a peut-être un scorpion, ascendant scorpion ou signe lunaire dans cette histoire, vous ou votre autre. Mais il y a bien une notion de scorpion. J'ai le bélier, la lune en bélier. Oui, la nouvelle lune en bélier. Il est temps d'agir.
On vous demande de foncer, d'agir. Il y a un bélier là, ascendant bélier ou signe lunaire. Il y a une notion d'agir. D'agir en laissant la négativité. On vous dit de ne pas faire attention au négatif. Il y a peut-être des gens autour de vous qui vont être négatives ou négatifs par rapport à cette relation qui est divine. Mais on vous demande vraiment de ne pas faire attention. On vous demande d'agir, de foncer. Bon, là, il y a trop de cartes. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, lune, nouvelle lune en cancer. Vos proches et vous êtes... Alors, vos proches et vous êtes en sécurité. On vous dit là que vous êtes en sécurité. Quoi qu'il arrive, même s'il y a des gens négatifs autour de vous, vous êtes dans la sécurité. Soyez rassurés. D'accord ? Il y a peut-être un ascendant cancer, signe cancer ou signe lunaire. Ça parle de signe d'eau. Hein. Encore une fois, là, vraiment, je ressens l'eau. Je ressens une fluidité entre vous. Vous le sentez pourtant que c'est fluide. Hein. Donc là, on vous demande vraiment d'agir. Votre engagement est mis à l'épreuve. Oui. Il va y avoir quelqu'un, enfin je veux dire, votre engagement va être mis à l'épreuve dans le sens où il y aura une épreuve. À un moment donné, j'ai la sensation que vous allez douter. Douter par la négativité de votre entourage. Et il ne faudra pas douter. D'accord ? C'est une épreuve. C'est vraiment quelque chose pour... pour voir si vous lâchez, si vous êtes tenace, si vous tenez bon. Sortez de votre zone de confort. Voilà, nœud nord. Donc, c'est vraiment, là, on vous dit, sortez de votre zone de confort. N'ayez pas peur, continuez, avancez, soyez tenace. Hein, on vous le dit parce que vous allez y voir plus clair bientôt dans cette relation qui est divine. En tous les cas, cette personne qui arrive dans votre vie, si elle n'est pas encore là, ça va vous changer la vie. Ça va vous faire sortir de votre zone de confort. Il y a quelqu'un là qui va sortir de sa zone de confort. Cette nouvelle lune va vous faire sortir de cette zone de confort que vous avez, de cette routine. Prenez un peu de recul. La pleine lune en Sagittaire. Donc, il y a bien peut-être un Sagittaire aussi dans cette histoire. Il y a l'arc, quelqu'un qui va droit au but, qui ne va pas par quatre chemins. Il y aura peut-être une prise de recul à un moment donné parce que c'est quelque chose qui va vous faire sortir de votre zone de confort. Donc, du coup, vous risquez d'avoir un peu de recul pour être sûre et certaine. Ayez foi en vos rêves. Non, mais alors, attendez. C'est incroyable. Ayez foi en vos rêves, premier croissant. Et là, faites de beaux rêves. Hein? Donc, vous ne rêvez pas. La réalité est là. Faites confiance à vos rêves et faites de beaux rêves. Ayez foi en vos rêves. Ayez foi en vous. Ayez foi en l'univers. D'accord ? Il faudra arrêter de douter. Je sens qu'il y aura un moment de recul. Je sens qu'il y aura du doute parce que c'est quelque chose qui vous bouscule. C'est quelque chose qui vous... Vous avez la tête bousculée là. Vous êtes chamboulé. Hein. Vous y voyez plus clair. Vous êtes sur votre nuage. Vous dites mais qu'est-ce qui se passe ? Mais on vous demande d'avoir la foi. Alors, je vais prendre une gorgée. Excusez-moi. Et je vais prendre le message de votre flamme jumelle. Message de votre flamme jumelle de David Saba. Très bel oracle, j'adore.
Allez. Hop, je vais avoir le petit bouquin, c'est le... Hop, voilà. Allez, s'il vous plaît. Oula, bah, il y a déjà une carte qui vient. Incroyable. Je n'ai à peine battu les cartes que la carte est sortie. C'est vraiment magique. L'infini, où tout commence. La télépathie, la carte 19. Il y a quelque chose là qui commence, qui va commencer ou qui est en train de commencer. C'est de la télépathie et c'est juste le début jusqu'à l'infini. Il y a une connexion entre deux âmes télépathiques, hein. Vous n'avez pas besoin de parler pour communiquer. Vous vous ressentez. Il y a vraiment une communication télépathique. Et on vous dit un commencement. Avec ce papillon, c'est un changement. Il y a une connexion. C'est vos âmes qui sont connectées à l'infini. Et je dirais que c'était déjà même avant que vous rencontriez cette personne. Avant même de le rencontrer, il y avait déjà de la télépathie. Vous en avez en ce moment, vous en aurez encore parce que c'est infini. C'est jusqu'à l'infini avec cette personne. C'est la carte 19, c'est magnifique. Mais c'est magique, hein, je vous assure. Hein. Les énergies en ce moment, profitez-en. Alors moi, je suis signe lunaire, vierge, je vous l'ai déjà dit, je crois, mais il se passe des choses en ce moment hallucinantes. Je vais prendre le message de la carte, hein, le message de votre hôte par rapport à cette carte. Hein. Alors. Message de l'âme de votre flamme jumelle. Sache me reconnaître au milieu de nulle part. Aucun tumulte ne peut me rendre fou à tes appels. Aucun tumulte ne peut me rendre sourd, excusez-moi, j'ai dit fou. Ne peut me rendre sourd à tes appels. Cette personne, elle vous entend depuis l'infini, hein. Il y a de la télépathie. Je te porte chaque jour près de notre cœur. Je te porte chaque jour près de notre cœur. Notre cœur, c'est comme si vous étiez, il n'y avait qu'un cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez la moitié vous, la moitié lui, et vous faites qu'un. Mes mots proviennent de ton intérieur. C'est bien ce que je vous disais avec la connaissance, avec ce que je vous ai dit, la connexion au début. Vous allez avoir des mots, vous allez avoir des choses qui vont venir dans votre conscience. C'est pas un rêve, hein, c'est vraiment la réalité. C'est de la télépathie. Je reçois l'intensité de ton amour. Cette personne reçoit l'intensité que vous avez pour lui, l'amour que vous avez pour lui ou pour elle. Chaque signe est un signe d'amour. Magnifique. Vous allez avoir énormément de signes. L'univers veut vous faire comprendre que cette personne est votre autre pour l'infini, l'amour infini. Vous avez été désignés l'un et l'autre par l'univers pour vous retrouver, vous connecter. C'est comme si vous étiez peut-être pas juste à côté, mais que enfin, vous êtes peut-être dans le monde entier, hein, vous pouvez avoir de la distance, mais il y a bien une connexion. Et cette connexion, quoi qu'il arrive, va se produire une rencontre. Si elle n'est pas encore faite, elle va se faire. Elle est peut-être en train de se faire, pour certains et certaines. D'accord? Mais elle va se faire. C'est vraiment un beau message. Vraiment, là, je peux vous dire qu'il y a des énergies de connexion, de télépathie, de... Vous avez, mais vraiment, un tirage là. Vous voyez la tête dans les nuages, une connexion. Vous vous sentez, hein? Vous êtes connectés, hein, tous les deux, hein? Et c'est la réalité, hein? Vous pensez rêver, vous pensez vous tromper, vous vous dites non, mais c'est bien ça, c'est la réalité. Il y a vraiment de la télépathie, hein? Il y a un accomplissement. De toute façon, vous allez accomplir des choses ensemble. Il va y avoir un engagement, il va y avoir des projets. Vous êtes appelé à vous rencontrer, vous êtes appelé à fusionner.
D'accord? Pour réaliser des grandes, grandes choses à l'infini. Magnifique. Bon, je vais prendre le petit oracle d'Angèle, donc mon deuxième bébé tout nouveau, mon petit bijou, ma petite perle qui brille. Allez, si on va prendre un message, s'il vous plaît, pour toutes mes petites étoiles qui regardent cette vidéo pour la nouvelle lune dans le signe de la Vierge pour demain, s'il vous plaît. Merci de me passer tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, un message pour mes petites étoiles. Il y a celle-ci qui veut venir. Laisse-toi porter par la vague de l'énergie divine. Les choses arrivent toujours au bon moment. Qu'est-ce que je vous ai dit en début de vidéo? Je vous ai dit que c'était en train de germer, pousser et que les choses arrivaient au bon moment. Voilà, laisse-toi porter par la vague de l'énergie divine. Les choses arrivent toujours au bon moment. Cette personne arrive, mais elle arrive au bon moment. Il faut lâcher prise, il faut faire confiance. Vous laissez porter par cette vague de l'univers parce que ça arrive. Il ne faut pas vous tracasser de savoir quand ça arrive, pourquoi, comment, et ça arrive. Super message. Bon, je vais vous passer un message de Jésus pour finir. Voilà. Et après, je ferai un petit plus si ça vous intéresse sur Vimeo. Ceux et celles qui veulent me suivre pour avoir un complément par rapport à cette connexion à l'infini d'amour avec votre autre. Que vous connaissez ou vous connaissez pas, qui arrive. Allez, un message de Jésus. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Et ben voilà, tout simplement. Il vous reste plus qu'à demander et vous recevrez. Demandez avec le cœur. Ayez la foi que ça va se réaliser et vous le recevrez. Et je peux vous dire que là, il se passe des choses magiques pour moi. Je vous en parlerai un jour. J'attends que ça avance. Et je vous expliquerai les choses. Voilà. Mais vraiment, ayez foi et confiance en l'univers et en Dieu, en Jésus. Demandez. Si vous ne demandez pas, vous ne risquez pas de recevoir. Il faut savoir qu'il faut demander. Il faut prier. Et ça arrive. Je vous assure. Voilà, je pense qu'on va arrêter là. Je vais vous faire juste une... Avec le petit oracle des anges gardiens, on me dit de vous passer un petit message pour finir quand même, avant d'aller sur Vimeo. Voilà. Allez, s'il vous plaît, les anges gardiens, merci de me passer un message pour la petite étoile qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît. Ah là, il y a une carte qui a sauté. Ange gardien. Et alors, tout à l'heure, on parlait de la couleur orange, vous vous souvenez, hein, c'est le cœur orange encore. Aie confiance. Tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tu fais un avec la volonté divine. Focalise-toi uniquement sur l'amour. Et tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Sois patient. Moi, ton ange gardien, je veille sur toi. Est-ce que vous avez entendu ce message, mes petites étoiles? Hein? J'invente rien, on n'arrête pas de vous le dire. Les choses arrivent au bon moment. Soyez patiente et patient. Ne forcez pas, n'essayez pas. Lâchez prise. Les choses arrivent. Laissez-vous porter par la vague de l'univers, par cette énergie magique qu'on a en ce moment, avec cette nouvelle lune. Il arrive au bon moment, pas avant, pas après, c'est le moment, d'accord? Il y a vraiment un très beau tirage, j'espère vraiment que ça vous a parlé, que ça a résonné. Pour ma part, oui, ça a beaucoup résonné, parce que aussi, hein, quand je vous fais un tirage général, c'est également pour moi, c'est pas que pour les autres. Voilà. Bon, et ben on va continuer sur Vimeo. Je remercie toutes les personnes, les nouvelles étoiles qui se sont abonnées à ma chaîne. Soyez les bienvenus, merci.
Merci pour tous vos commentaires adorables, merveilleux, plein d'amour, plein de gratitude. Merci. Merci pour vos dons sur ma cagnotte Litchi. Merci infiniment. Merci pour vos partages, vos likes, votre présence sur ma chaîne. Merci pour les gens qui viennent sur Vimeo, qui me font un don de prendre la location ou l'achat des vidéos. Donc, merci infiniment. Merci à toutes les nombreuses personnes qui me commandent mes nouveaux oracles et mon premier oracle, l'étoile du soleil. Il m'en reste encore, hein. Vraiment, vous inquiétez pas, j'ai commandé beaucoup d'oracles pour pouvoir satisfaire le plus grand nombre. Alors oui, ça part vite, hein. Je vais pas me plaindre, hein. Sachez que tout part, hein. Je prends pas de retard dans mes envois. Ça met un peu de temps quand même, hein, mais j'essaie d'être rapide. J'ai quelques mails encore à répondre, hein, que j'ai pas eu le temps, mais je vais répondre. Ne vous inquiétez pas, ne vous souciez pas, les choses arrivent au bon moment. Comme on vous dit, hein, laissez venir, ça va venir. Voilà. Je vous invite tout simplement à me suivre maintenant ou plus tard sur la suite, hein, sur cette énergie de connexion d'amour divin. Infini avec votre autre. On va voir un petit peu quels sont les messages que je peux apporter en plus sur Vimeo. N'hésitez pas à liker. Et puis, pour ceux et celles qui veulent pas ou ça résonne pas, je vous dis à très vite sur un nouveau partage. En tous les cas, prenez soin de vous, mes petites étoiles. Et puis surtout, ne vous souciez pas. Les choses arrivent toujours, toujours au bon moment. Je vous assure, vraiment. Je vous embrasse très fort. Je vous aime. Vous êtes mes petites étoiles adorées que j'aime infiniment. Vous êtes ma constellation. Donc, prenez soin de vous. C'est important. Et puis, profitez de la vie. Profitez de chaque instant, du moment présent. C'est le plus important. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.